levez et nous chanterons ensemble « Nous venons dans ta maison » pour l'entrée des officiants. Invoquons la présence du Seigneur. Béni soit notre Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de toutes sortes de bénédictions qu'il nous a bénies. Béni soit son nom. Béni soit Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur. Béni soit l'Esprit Saint, notre Consolateur qui nous guide chaque jour. Éternel notre Dieu, ce matin, nous sommes devant toi. Que ton nom soit pleinement glorifié dans nos vies. Et que tes ennemis soient dispersés au nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour chers frères et sœurs. Bonjour amis visiteurs. Bonjour amis internautes. Ce matin, laissons-nous transporter par l'Esprit de Dieu et prenons conscience par les écrits d'Ellen White de ce que nous vivons ce sabbat matin. En ce sabbat matin, avec audace, soulevons le voile qui couvre nos yeux et osons regarder avec les yeux de la foi l'atmosphère dans laquelle nous sommes à cet instant même. Il y a d'abord la grâce, cet attribut divin réservé à nous, créatures indignes. Par le sacrifice de Jésus à la croix, Dieu a entouré le monde entier d'une atmosphère de grâce tout aussi réel que l'air qui circule autour de notre globe. La grâce a été envoyée à notre recherche. Dieu prend plaisir à l'accorder à ceux qui en éprouvent un vif besoin. Ensuite vient le sabbat, le septième jour, jour de repos. Dieu a béni le septième jour et l'a sanctifié. En ce jour, attendons davantage de Dieu, plus que les autres jours. Demandons à Dieu des grâces abondantes. Sollicitons plus particulièrement son attention. Réclamons les bénédictions les plus précieuses. Ensuite vient l'Église. L'Église est l'unique objet sur lequel Dieu jette d'une manière toute spéciale un suprême regard. Elle est le théâtre de sa grâce, l'endroit où il se plaît à révéler sa toute-puissance. L'Église de Dieu sur terre ne fait qu'un avec l'Église de Dieu dans le ciel. À nos louanges, à nos actions de grâce,
fait écho un hymne céleste de bénédiction, de joie qui parcourt tout le ciel. Où puissions-nous réaliser combien la terre est proche du ciel en ce sabbat matin? Et puissions-nous exercer une foi audacieuse et réclamer les bénédictions les plus précieuses? À tous et à toutes, une chaleureuse bienvenue. Je vous invite à lire avec moi dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 1, les versets 18 et 19. Ésaïe 1, 18 et 19. Ésaïe 1, 18 et 19. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Oh, prends mon âme, prends la Seigneur. Bon Père Céleste, merci pour ta présence, merci pour la joie que tu nous donnes de t'adorer en ce saint jour du sabbat. Merci pour le privilège de nous joindre à l'univers entier qui te célèbre aujourd'hui. Merci pour ta protection pendant la semaine, alors que nous nous préparons à exprimer notre joie, notre bonheur, notre révérence. Nous aimerions bien te demander de remplir nos cœurs de ta présence et de ton esprit, afin que notre culte puisse être présenté à toi en esprit et en vérité. Que ton amour, que la grâce de ton Fils Jésus-Christ et que la communion de ton esprit soit avec nous tous, au nom de Jésus. Amen. Dans le temps de remerciement, je vous invite à prendre votre Bible et nous lirons dans Proverbe 3, le verset 5 à 10. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin.
Ne te prends pas pour un sage. Révère l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens, en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors, tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. J'invite les diacres et les diaconesses à passer dans les rangs pour accueillir les dîmes et les offrandes. Vous pouvez vous asseoir. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout ce que j'ai et sans regret. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Vous tenez debout pour remercier le Seigneur. Bien-aimé notre Père Céleste, comment ne pas te remercier de tes bienfaits manifestés envers chacun de nous. Tu nous as permis de vaquer à nos occupations, tu nous as permis de passer une semaine, et tu nous as permis également de travailler et d'avoir un salaire. Et nous t'avons apporté, Seigneur, ce qui te revient. Mais nous avons, Seigneur, que tout appartient. Et nous savons que parmi nous, il y en a de ceux qui n'ont pas de travail. Mais ils t'ont amené, Seigneur, ce corps brisé, ce corps meurtri. Seigneur, je te demande que tu puisses agréer également ce sacrifice. Ô Seigneur, merci pour tes bienfaits. Et permets que cet argent qui a été recueilli, Seigneur, puisse être utilisé à bon escient
et que ton nom soit magnifié, ton nom soit exalté, dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Chacun trouve sa place, les enfants. Test. Bonjour, les enfants. Bonjour, chers adultes. Alors, êtes-vous heureux d'être ici aujourd'hui? Bien, moi aussi je suis heureuse aujourd'hui parce que c'est le sabbat. Bien, nous allons parler d'un sujet très intéressant que vous aimez beaucoup. Nous allons parler de la musique. Qui aime la musique? Ah, moi aussi j'aime la musique. Bien, alors est-ce que parmi vous, il y a des enfants qui jouent d'un instrument de musique? Oh là là! Alors l'avenir est assuré, n'est-ce pas? Oui, amen, gloire à Dieu. Vous pouvez baisser les bras. Merci, les enfants. Donc, mon histoire ce matin a pour titre « Un étrange duo ». Ah, justement. Alors, sois de toute oreille pour écouter mon histoire. C'est l'histoire d'une fillette qui a à peu près ton âge. Son père est directeur d'un hôtel. Et cette fillette est là ce jour-là avec son père, mais elle aime bien la musique. Mais elle voudrait pouvoir jouer du piano, mais elle ne sait pas en jouer, les enfants. Alors, ah ben, elle ne sait pas jouer non plus de la trompette, mais elle préfère le piano. Dans l'hôtel, dans le salon, il y avait un piano, tu as raison, tout à fait. Mais la fillette aimait bien aller s'asseoir dans le salon de l'hôtel pour tape-tape. Mais à la longue, ça fait un bruit, puisqu'elle ne sait pas en jouer. Elle tape sur les touches constamment, mais ça ne mène nulle part, ça fait du bruit. Un jour, les clients de cet hôtel, certains clients agacés de tout ce bruit, des notes de musique pas très adroites, on va dire, ont commencé à se plaindre. Ah, dont un particulièrement, mais sapristi, je suis venue ici pour me reposer et avoir un peu de tranquillité. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Mais qui joue dans ce fameux piano? Alors tout le monde se dit, mais c'est une fillette qui joue là dans le salon, mais enfin il faut l'arrêter quand même, elle nous fatigue la tête avec ça, toute la journée c'est le même refrain, c'est le même bruit. Ça doit s'arrêter. Et bien sûr, d'autres clients aussi renchérissent. Il faudrait peut-être fermer ce piano à clé, hein, pour que ça s'arrête. Et puis, en fait, à qui appartient cette petite fille? Et pour en avoir le cœur net, hein, les clients veulent la tranquillité à l'hôtel. Il y a un qui s'est dit, moi, je vais trouver le directeur, moi. Eh bien, nous vous suivons, monsieur. Nous aussi, nous irons voir le directeur parce qu'il faut mettre un terme à tout ce bruit. Et tous, ils vont dans le bureau du directeur
arrivé devant le bureau. Mais alors, monsieur le directeur, c'est quoi ce bruit-là? C'est quoi ce boucan? C'est quoi ce désordre? Ici, on est là pour la tranquillité, n'est-ce pas? Bien sûr, messieurs, dames. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, monsieur, vous entendez sous ce bruit qui se passe là, ce vacarme avec ce piano? Il n'y a pas moyen d'arrêter ça, là? À qui appartient cette petite fille? Il dit, c'est ma fille. Hein? C'est votre fille qui nous fatigue la tête comme ça depuis tant de jours? Mais enfin, monsieur, il faut aller lui parler. Il faut aller lui dire immédiatement qu'il faut arrêter ça. Hein? Vous avez tout à fait raison, effectivement, vous avez besoin de tranquillité. J'aurais dû lui dire, hein, vous savez, j'aurais dû lui dire. Et sur ce pas, j'y vais. Je vais lui dire qu'il faut arrêter parce que ce bruit dérange les clients. Chers amis, les adultes. Alors, tous ils suivent le directeur pour pouvoir renforcer quand même, pour montrer à cette fillette que on en a jusque-là de tout le bruit qu'elle fait avec le piano. Et arrivés devant la porte du salon, ils sont stoppés. Stoppés par l'harmonie de la musique qui tout d'un coup se déclenche dans la pièce. Qu'est-ce que c'est que ça? Tous, ils sont là, stupéfaits, en train d'écouter la belle mélodie qui monte de cette pièce. Alors, le directeur de l'hôtel ouvre la porte. Oh! Les enfants, le directeur de l'hôtel trouve un homme assis à côté de sa fillette. Très adroitement de ses doigts agiles, joue d'un air extraordinaire. Perplexe, les autres clients se disent, mais qui c'est cette personne? Un homme a l'air très gentil, ses cheveux d'un blanc d'argent. Il n'a pas demandé à la fillette d'arrêter de jouer, les enfants. La fillette a continué à jouer tape, 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 comme elle pouvait avec son doigt. Et lui, de ses doigts agiles, parcourait le piano, le clavier et entourait donc la maladresse de cette petite fille qui ne savait pas jouer du piano. Les clients se sont trouvés bien honteux de voir, ils ont reconnu en cet homme un autre client de l'hôtel, mais qui, lui, ne s'était pas agacé de la maladresse de cette petite fille. Mais bien au contraire, il s'est assis à côté d'elle pour l'aider et harmoniser les fausses notes qu'elle jouait. Eh bien, vous savez, les enfants et chers adultes, bien souvent, nous ressemblons à cette petite fille. Nous faisons beaucoup d'efforts pour être ce que nous devrions. Mais il y a toujours quelqu'un pour vous critiquer et vous décourager. Mais le Seigneur Jésus dit, voici, je frappe à la porte, et si vous m'ouvrez, je pourrai entrer. Jésus ne frappe pas à la porte du salon, les enfants, mais à quelle porte, à votre avis? De notre cœur. Oui, très bien. Jésus frappe à la porte du cœur, et il attend de pouvoir s'asseoir à nos côtés et de nous instruire sans nous demander de nous arrêter dans nos efforts, mais il va venir renforcer nos faiblesses pour nous accompagner et nous rendre victorieux. Alors, chers enfants,
je vais vous demander de venir jusqu'à moi. Nous allons prier ensemble et demander au Seigneur d'entrer dans notre cœur afin d'œuvrer en nous pour que tous puissent voir la transformation qu'il va apporter à notre vie. C'est seul Jésus qui peut nous comprendre. Les hommes nous critiqueront toujours. Ils ne seront jamais satisfaits. Alors demandons à Jésus de nous aider. On ferme les petits yeux, les enfants? Oui. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te prions ce matin afin que tu puisses venir dans notre cœur, dans notre petit cœur. Nous sommes si faibles sans toi, si imparfaits, mais tu acceptes nos efforts et tu désires t'asseoir à nos côtés afin de nous aider. Merci pour ton soutien, merci pour ta puissance. Que ton nom soit glorifié dans nos vies, dans la vie de chaque enfant. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alors, les enfants, vous retournez vers vos parents pour la suite du programme, sans faire de bruit, très doucement, petit pied, très doucement, petit pied, très doucement, petit pied, très doucement, vraiment. L'agneau de Dieu est élevé à la droite de Dieu. Il est digne de louange, digne d'adoration et digne de gloire. À l'agneau de Dieu soit la gloire, pour tous les siècles des siècles. Amen. Soit le règne, la puissance et la gloire, car il a été un rédempteur adorable. Il s'est attaché sur la croix. Il a été traité comme un coupable et brisé pour mon péché. Chantons ensemble ces paroles. Nous chanterons la première et la dernière strophe du numéro 73, Rédempteur adorable. Thank you.
vivre que de ta vie, Seigneur. Merci, merci pour cette croix. Merci pour avoir payé ce prix. Tu as porté mes péchés, tu m'as lavé et tu m'as pardonné. Je vous invite à vous lever et nous chanterons ensemble ces paroles. Digne est l'agneau assis sur le trône. À garder votre position. Nous allons lire le psaume 23, au verset 1 à 6. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Que la parole de l'Éternel puisse s'imprégner dans nos cœurs et que son nom soit pleinement glorifié. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Ce matin, nous avons le plaisir, la joie, le privilège d'accueillir Dragan Stojanovic avec nous. Viens, Dragan. Dragan nous vient du Canada, Montréal, non, Toronto. Toronto, voilà, Toronto. Dragan, il est marié, deux enfants. Dragan Stojanovic, il est secrétaire de l'Union canadienne, c'est ça, hein? Parfait. Donc, Dragan a travaillé au sein de notre fédération un peu plus de 16 ans, c'est ça? Donc, il a vécu pendant 21 ans en France, donc il maîtrise bien la langue française. Dragan est d'origine yougoslave à l'époque. Serbe, voilà, parfait. Donc, nous sommes très heureux de te recevoir parmi nous, Dragan. Est-ce que je peux voir les mains des membres d'église qui accueillent Dragan ce matin avec joie? Bienvenue, Dragan. Que le Seigneur te bénisse et si Dieu t'a choisi ce matin pour nous rompre le pain de vie. Que Dieu te garde. Amen. Parfait. Bonjour à tous et bon sabbat.
C'est ma joie d'être de nouveau en France. Je dois dire que depuis 1999, je suis passé juste une fois par la France. C'était en 2012 et j'ai visité la plus belle ville de France, c'est Colmar. Si vous ne savez pas, c'est tout près de Strasbourg. C'est magnifique. Mon fils est né là-bas. Et on a profité de l'occasion de visiter la petite Venise, le musée Unterlinden, le deuxième musée de France, juste après le Louvre. Et je vais m'arrêter de faire la publicité pour Colmar. Je peux juste dire que quand vous entrez, vous trouvez une statue de liberté, parce que c'est un colmarien qui a, je ne sais pas comment dire, construit la statue de liberté telle qu'elle se trouve à New York. Donc c'est une ville très importante. C'était en 2012, et voilà de nouveau je suis là, par la grâce de Dieu. J'aimerais vous encourager à continuer à œuvrer pour le retour de Jésus. Nous existons pour cela. Nous existons parce que Dieu nous a aimés en premier, et il nous promet qu'il accomplira toutes ses promesses. Il est fidèle. Et j'aimerais bien vous encourager, en vous visitant du Canada, qu'il faut tenir bon, même si la vie, même si le monde paraît dans une grande confusion, et de plus en plus grande confusion. Et on le voit même probablement plus du côté de l'Amérique du Nord. La vie n'est pas facile nulle part. Mais Dieu est bon et Dieu a le contrôle de tous les événements. J'aimerais bien, quand vous quittez ce lieu, que vous puissiez le faire encourager. Parce que je considère que ce lieu n'est pas un lieu de critique. C'est un lieu d'édification. C'est un lieu qui nous facilite de nous rencontrer avec le Seigneur. C'est ce qu'on avait dit hier avec ceux qui font partie de la réunion sur la musique et liturgie. Et je suis convaincu qu'un culte plein de sens est uniquement possible quand nous nous concentrons non pas sur les problèmes ou les erreurs des autres, mais quand nous nous concentrons sur Jésus-Christ, qui est la solution pour tous nos problèmes. Moi, je suis le premier pécheur, et nous sommes tous dans la même situation. Nous avons tous besoin de la transformation de la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, on ne peut rien faire. On est tous perdus, et tous ceux qui acceptent la grâce de Dieu n'ont rien à craindre pour l'avenir. Et ça, c'est le message de ce que nous voulons dire tout au long de ce week-end. Je ne sais même pas comment j'ai atterri au Canada. Je ne sais pas, c'est toujours une surprise. Dieu nous prépare beaucoup de surprises dans la vie. En tout cas, vous avez des salutations parce que le sabbat dernier, j'étais à Montréal. Vous avez les salutations de nos frères et sœurs de là-bas. Au Canada, nous avons 70 000 membres. C'est un petit pays comparé aux États-Unis, où nous avons 1,2 million de membres. Au Canada, nous avons 7 fédérations, dont une francophone. Au Québec, il y a 8 000 membres de l'Église adventiste. Nous avons 32 000 membres à Ontario, donc autour de Toronto, et nous avons 10 000 membres en Colombie-Britannique, 10 000 membres en Alberta, et ainsi de suite. J'ai pu travailler comme président de la Fédération du Québec pendant 4 ans, et je me rappelle de ma première rencontre pastorale. Alors je disais à mes collègues, « S'il vous plaît, aidez-moi, c'est pour la première fois que je viens ici. »
Aidez-moi à m'adapter au Canada, au Québec. Il y a un des pasteurs qui est né au Québec, il dit, tu sais, nous sommes tous des étrangers ici. C'est comme ça le Canada, tout le monde immigre. Je dirais qu'il est très rare de trouver quelqu'un qui, dans sa famille proche, n'a pas quelqu'un qui est né en dehors du Canada. Donc, pour l'adaptation, ce n'est pas nous, c'est plutôt toi. Ben, j'ai dit, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Et il a dit, il faut que tu acceptes une chose. Et si tu acceptes cette chose-là, tu es adapté pour toujours au Canada. Alors je dis, quelle est cette chose-là que je dois accepter? Il a dit, il faut que tu acceptes qu'au Canada, nous avons deux saisons. L'hiver et l'hiver prochain. Si tu acceptes ça, tu es adapté pour toujours. On t'accepte et tout va bien. Et je dois vous dire que de temps en temps, ce n'est pas évident. Parce que moi, je suis un enfant d'été plutôt que de l'hiver. Et je dois dire que passer 6 mois avec la neige, c'est bien beau à regarder. Mais de temps en temps, ça commence à être difficile à accepter. En général, en novembre, on commence avec la neige et ça dure jusqu'à fin mars pour sûr. De temps en temps, même au mois de mai, on a de la neige. Et quand on a la neige, ce n'est pas la neige comme ici. Ils appellent ça très souvent la poudrerie. C'est-à-dire la neige tombe, puis ensuite il y a beaucoup de vent qui prend cette neige et crée des nuages, une tempête de neige. Et ça, il faut le voir, il faut le sentir. La température la plus basse que j'ai pu expérimenter moi-même, c'est moins 52. Et ben, il n'y a pas grande différence entre moins 30 et moins 52, je peux vous garantir. Mais c'est comme ça, vous ne pouvez pas vous y échapper. Je me rappelle, l'hiver dernier, j'ai atterri à Calgary parce que je devais visiter notre école qui s'appelait avant CUC, probablement vous avez entendu parler, et qui s'appelle maintenant Burman University. Et je sors avec ma voiture du bâtiment de l'aéroport et je vois moins 31. Alors, comme vous devez de Calgary aller vers le nord, tout à coup, je vois qu'il y a un bip chaque fois quand la température change. Et ça a commencé à biper. Et je vois moins 32, moins 33. Quand je suis arrivé à peu près 150 km au nord, il faisait moins 41. Et puis, le lendemain matin, on commence notre comité, il faisait moins 52. C'est pareil comme n'importe quelle autre température, sauf qu'après 3 minutes, vous voulez être à l'intérieur. C'est la seule différence. Je me suis rendu compte que la température influence même la mentalité, le style de vie et tout le reste. Au Canada, nous avons le temps. Ce n'est pas comme ici à Paris, métro, boulot, dodo. Ça, nous, on ne connaît pas là-bas. Quand vous avez des hivers longs, vous avez assez de temps. Et même du temps pour la Bible. C'est la raison pour laquelle les Canadiens lisent la Bible beaucoup. Ils savent leur Bible. J'étais surpris de voir combien ils aiment passer du temps. Et de toute façon, vous aurez toujours assez de temps. Donc il faut juste savoir comment vous organiser. Et je suis fier de mes amis canadiens. Je ne sais pas combien de temps je passerai là-bas, mais je suis presque 100% sûr que je vais revoir, si Jésus ne vient pas avant, la France en le 1er mai 2023. Ça va être le temps de la retraite. Juste pour terminer ma conclusion, nous avons
au Canada, un certain nombre de personnes que vous connaissez sûrement, il y a un centre de médias francophones et c'est pasteur Rémi Ballet, pour certains qui le connaissent, qui est directeur. Il y a beaucoup d'autres personnes que vous devriez connaître qui travaillent avec beaucoup d'enthousiasme. Et je peux dire que tous les pasteurs qui sont passés par la France sont bien, bien appréciés. Ils travaillent bien, ils sont fidèles et ils ont un sens de vision qui fait beaucoup de bien à toute l'Église du Canada. Voilà, je reviens sur notre programme en ce qui concerne la liturgie, la musique et liturgie et l'adoration. Je vais vous inviter à ouvrir la Bible et trouver le texte qui est dans le psaume 96. Et on va lire juste les premiers versets. J'espère que je vais pouvoir projeter quelque chose sur votre écran. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Voilà. Est-ce que vous voyez quelque chose? Non? Pas encore. Ça va venir. J'aimerais juste... Parfait. Est-ce que je diminue un peu pour que tout le monde puisse voir? Parfait. Merci beaucoup. J'aimerais vous dire que, en tant que jeune, je me suis très souvent ennuyé dans l'église. Je suis né dans une église très stricte. Pour éviter de classer les gens, on était très strict. Juste pour vous dire que j'étais tellement choqué, en tant que jeune, d'avoir invité 3 jeunes filles. Et ces jeunes filles sont venues avec une jupe un peu trop courte selon l'estimation des diacres. Il y avait une règle, et je vous dis comment c'est, comme ça j'ai grandi. Ils ne font plus pareil, mais c'était comme ça lorsque j'étais jeune. La règle était, parce que la mode des mini-jupes existait un peu partout, alors ils ont dit, vous voyez les 3 doigts, du milieu du genou, la robe ou la jupe ne peut pas être plus que 3 doigts au-dessus du genou, du milieu du genou. Et on calcule les doigts, non pas quand la personne est debout, mais lorsqu'elle est assise. Alors, il y a un diacre qui se promène en général dans l'église et qui surveille. Et au moment où... il se rend compte que quelqu'un n'est pas bien présenté à l'église, il tape à l'épaule et il dit, « Ma sœur, venez par là. » Et il y avait, je ne sais pas comment dire, un petit manteau qui couvrait jusqu'au, je ne sais pas comment dire, jusque-là à peu près, et qui allait à peu près... je vais dire 20 cm au-dessous du genou.
Et vous aviez plusieurs tailles, et le diacre avait son speech qu'il avait appris par cœur, en disant, vous ne pouvez pas rester dans l'église si vous ne couvrez pas vos épaules, si vous ne couvrez pas vos genoux, et ainsi de suite. Et je me suis senti tellement mal à l'aise lorsque ces jeunes filles ont regardé le manteau proposé. Elles ont dit, ça ne nous plaît pas, merci beaucoup, et elles sont parties. Et j'ai compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. J'ai compris que les hommes ont tendance à établir des règles qui n'ont pas beaucoup de sens ou qui peuvent avoir du sens juste pour un petit groupe de personnes. Alors que la Bible nous enseigne, et je ne suis pas contre la modestie, je suis le premier à prêcher la modestie, la Bible nous enseigne que Dieu veut inclure tout le monde. Et j'aimerais vous proposer, quand on réfléchit sur ce psaume, que l'Église devrait être un lieu de protection pour tous, et tout spécialement pour les pécheurs. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Comme moi je suis pécheur, je devrais comprendre que l'Église est la communion de croyants qui connaissent qu'ils ont besoin tous, du premier jusqu'au dernier, Jésus-Christ et sa grâce. Et quand nous avons cela, quand nous avons cette perspective, cela ne signifie pas que nous prenons un péché à la légère, mais nous prenons Jésus-Christ très sérieusement. Parce que nos yeux ne se concentrent pas sur le problème. Le problème, s'il existe, et bien sûr qu'il existera, se réglera pendant la semaine, pendant les visites pastorales, pendant le service qu'on offre à nos membres, quand on passe du temps ensemble. Parce que l'Église n'est pas seulement l'Église lorsque on se voit du 9h du matin jusqu'au midi ou 1h. Ce n'est pas ça, l'Église. L'Église, c'est 24h/24. Quand quelqu'un a besoin, quand quelqu'un passe par les difficultés, il faut qu'il sache qu'il n'est jamais seul. Il a toujours ses frères et sœurs. Qu'est-ce que ça signifie « bonjour mon frère, bonjour ma sœur » Est-ce que c'est juste le langage, le patois de canon, ou je ne sais pas comment on appelle ça? Non, ça devrait être une réalité. Vous êtes ici, beaucoup de personnes, chacun devrait savoir quand il quitte l'église, il n'est jamais seul, jamais en difficulté. Même lorsqu'il a des problèmes avec son banquier, avec son travail, avec ses études, avec tout ce que vous voulez, il sait qu'il aura une oreille attentive, qu'il aura une prière, qu'il aura des mains et des pieds qui voulont travailler en sa faveur. Ça, c'est l'Église. C'est d'ailleurs pour cela, quand vous lisez le texte de Psaume 96, on va lire juste deux textes, Psaume 96 et Psaume 23. On se rend compte, et ça c'est le début, vous pouvez vous rendre compte que dans ce psaume, il y a 4 strophes. Je vais donner la présentation à ceux qui seront après-midi, mais je vous dis juste au début, il y a 4 strophes. Chaque fois, il y a 3 lignes qui commencent de la même manière. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, chantez à l'Éternel. Ensuite, il y a une déclaration de groupe. En général, quand vous allez dans une synagogue, il y a quelqu'un qui récite les 3 lignes, qui se répètent, puis ensuite, il y a l'assemblée qui répond.
ici, au début, on nous parle pourquoi on adore. On adore parce que Dieu nous a donné comme cadeau son salut. Annoncer de jour en jour son salut. L'Église existe, non pas pour les nominations, non pas pour les comités, non pas pour les assemblées. L'Église existe pour annoncer de jour en jour le salut de Dieu. Et ça, c'est la raison principale des commissions musique et liturgie, des formations, parce que nous voulons à ce que le culte qu'on offre au Seigneur soit un culte où on annonce, non pas nos réalisations. C'est très joli quand vous allez aux États-Unis, vous allez voir que l'Église adventiste a fait plein de choses. Je suis venu pour la première fois au Canada en 1998, et quand j'ai terminé mes présentations pendant leur camp meeting, comme ils appellent ça en été, ils m'ont dit, on aimerait bien vous donner une voiture pour que vous puissiez visiter le Mecca Adventiste. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? C'était Battle Creek, pour voir où l'Église a vraiment commencé à exister. Et quand on a visité Battle Creek et Andrews, qui n'est vraiment pas loin, moi j'étais impressionné par la beauté de toutes ces institutions. Après, j'ai pu visiter Loma Linda. C'est magnifique, c'est extraordinaire, tout ce qu'ils font. J'ai pu voir récemment, ils ont construit un département de l'hôpital tout neuf, cardiologie. J'ai regardé moi-même. On avait le masque et tout. On a observé une opération chirurgicale à cœur ouvert où le médecin de Loma Linda a opéré à travers son computer, son ordinateur, et le patient se trouvait en Inde. C'était beau, c'était magnifique. Quand je regarde combien de fois il peut agrandir. Ce n'est pas des millimètres, mais des milliers et milliers de millimètres. Il voit tout et il dirige, puis appuie sur un bouton. Et tout se fait là-bas automatiquement. Et il le fait, il appuie sur le bouton uniquement quand il est sûr que ça va marcher. J'étais impressionné avec cela. Mais l'Église adventiste ne fait pas de promotion d'elle-même. L'Église adventiste n'est pas nécessairement fier du système d'éducation. C'est un système d'éducation extraordinaire. L'Église adventiste annonce uniquement ce que Dieu fait pour l'homme. Et moi, j'aime bien que les hommes diminuent et que Dieu puisse être le plus grand possible. Quand les hommes diminuent, dans ce cas-là, l'Église est tout près de la raison de son existence. Ce que les apôtres ont fait au début, quand tout allait bien dans l'Église, eh bien, ils ont prêché. Pierre et Jean, ils viennent au temple, il y a quelqu'un qui mendie. Quel est le message de Pierre et de Jean? On n'a pas grand-chose, mais on a une chose, c'est Jésus-Christ. Mais c'est ça que nous devons partager avec tout le monde. Un culte centré sur Dieu est un culte plein de sens. Moins on parle des hommes, plus on édifie. Parce que la vraie édification provient de la puissance de Dieu lui-même qui agit dans nos cœurs. Lorsque vous regardez ce texte, vous vous rendez compte que prêcher, annoncer le salut de Dieu, c'est très facile. On chante. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut.
C'est une joie de partager le salut que Dieu nous offre à tous. Ce n'est pas un fardeau. Le livre d'Ésaïe au chapitre 40 dirait « Vous sortirez avec joie ». De temps en temps, on comprend que visiter les gens, annoncer, comment on appelle ça, porte à porte, une réunion d'après-midi, vous allez voir combien il y aura de candidats. Parce que ça devient difficile pour nous de concevoir. Parce qu'on est trop chargé sur ce que les gens pensent de nous. On connaît qu'on n'est pas extraordinaire, qu'il y a des faiblesses, etc. Et on oublie notre force. Notre force se trouve en Jésus-Christ. Et lorsqu'on fait la promotion de Jésus-Christ, on apporte ce qu'il faut pour les gens. Parce que les gens ont besoin de Jésus-Christ. Alors j'aimerais juste dire que dans ce texte, on nous parle d'un cantique nouveau. Je comprends que le culte ne peut pas être conçu avec les chants qui sont toujours les mêmes. Je me rappelle de quelqu'un, j'ai mentionné cela hier et je trouve cela intéressant, lorsque nous avons proposé un nouveau recueil de cantiques, Donnez-lui gloire. On a consulté beaucoup de personnes à travers la France pour qu'ils nous donnent des idées, quels sont les chants à ne pas oublier de l'ancien recueil pour les mettre dans le nouveau recueil. Il y avait une sœur qui nous a écrit, et elle était âgée, elle était tellement attachée aux hymnes et louanges qu'elle ne pouvait pas imaginer qu'on le remplace. Elle avait dit, elle nous a écrit comme ça, « Il paraît que vous avez osé changer notre saint cantique. Il paraît que vous avez osé le changer parce qu'il est trop ancien. Tant que vous y êtes, changez aussi la Bible parce qu'elle est encore plus ancienne. Et cependant, dans la Bible, ce n'est pas moi, ce n'est pas quelqu'un qui a décidé. Dans la Bible, c'est marqué « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau ». Nous sommes invités à être créatifs quand nous venons à l'Église. L'Église devait être un lieu où chacun se sent à l'aise de proposer de nouvelles idées. Nous n'avons pas la tradition qui nous empêche, nous n'avons que la Bible qui nous encourage à innover. Et j'insiste énormément là-dessus parce que je sais que s'il y a un culte qui est toujours le même, à la fin ça devient fatigant. J'aimerais préciser, vous connaissez tellement de bons, beaux chants que nous avons dans nos recueils. Je mentionne quelque chose qui m'est très cher. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je n'ai pas de problème de le chanter presque chaque sabbat. Pourquoi? Parce que c'est un chant de mon expérience. Par exemple, j'ai chanté le sabbat dernier « Seigneur, attire mon cœur à toi. » Ensuite, pendant la semaine, j'ai vécu quelque chose de particulier avec le Seigneur. Et je me suis rendu compte que lorsque je viens aujourd'hui et je chante ce chant est nouveau pour moi parce que je me rappelle le bien que Dieu m'a fait pendant la semaine dernière. Mais en plus, j'aimerais vous inviter. Soyez inventifs, créez, produisez des chants. Parce que le texte dit, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Le père d'Église, Augustin, avait dit de très bonnes choses par rapport à ce psaume. Si vous mettez cela, Augustin, psaume 96, vous allez voir la beauté de tout ce qu'il a expliqué. Il a dit quelque chose
de très puissant. Il a dit, c'est la chair, flèche, comme on dit en anglais, c'est la chair qui a envie de chanter toujours les mêmes choses, les vieilles cantiques. C'est toujours la chair. Mais c'est l'esprit qui veut chanter des chants nouveaux. Pourquoi? Parce que l'homme veut répéter ce qui lui plaît, tandis que l'esprit est à l'écoute. Il cherche des nouvelles choses. Et je me rappelle que j'ai vu cela pas une seule fois dans ma propre expérience. Nous sommes prêts pour de nouvelles aventures quand nous sommes avec Dieu. Est-ce que vous vous rappelez de Gédéon? Gédéon vivait à une époque où il y avait l'occupation de l'ennemi et il était presque résigné. Il ne pouvait plus. Et lorsque l'ange de l'Éternel est venu et lui a dit « Que Dieu soit avec toi, vaillant héros. » Il a dit « Comment est-ce que tu me parles comme cela? Si vraiment Dieu est avec nous, on ne serait pas sous l'occupation de l'ennemi. » Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Va avec la force que tu as et tu vaincras l'ennemi. Nous oublions que Dieu nous a promis au jour du baptême que son esprit ne va pas nous quitter. Et nous avons la force de sa promesse. Et nous savons que son esprit est avec nous. Lorsque nous nous humilions, lorsque nous confessons nos péchés, lorsque nous nous réconcilions chaque jour avec lui, nous pouvons partir avec la force qu'il nous donne dans les aventures qu'il nous prépare d'avance. Et j'aimerais vous proposer, ne donnez pas l'avantage à la chair qui veut toujours chanter les mêmes vieux cantiques. Donnez la possibilité à l'esprit de chanter un cantique nouveau. Soyez inventif. Que votre cœur puisse dire des choses. Et si vous avez des gens talentueux, j'aimerais vous suggérer, réservez un temps pour encourager les jeunes surtout à composer, à mettre en parole, à faire de l'orchestration. Merci pour la belle musique, pour le groupe qui est là. À jouer et donner le mieux de ce que vous pouvez pour la gloire de Dieu. Imaginez que vous avez une réunion avec Monsieur le Président de France, François Hollande. Vous allez prendre du temps à vous préparer. Et à vous préparer très sérieusement. Chaque sabbat, nous avons l'opportunité, l'occasion d'avoir une audience auprès du roi de l'univers. Et on ne se prépare pas. On ne donne pas le mieux. On dit, oui, le Seigneur m'a aidé cette semaine, mais je vais prendre les paroles de quelqu'un qui a composé des choses en 1850. Mais dis aussi par tes propres paroles, par ta propre musique. Pourquoi toujours, même si c'est très beau, pourquoi toujours prendre Handel, Mendelssohn et tous les autres? Joue aussi cette musique-là, mais joue ce qui vient de ton cœur. C'est la raison pour laquelle on comprend. La plupart des psaumes ont été écrits par le roi David. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Et parce qu'il voulait dire ce qui se trouvait dans son cœur. J'aimerais vous suggérer que le vrai message de ce texte en ce qui concerne l'adoration, c'est que l'adoration se renouvelle chaque jour parce que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque jour. On ne peut pas faire autrement. On ne répète pas comme des perroquets des choses pendant des années, des années, des années. On dit de notre bouche, par notre tête,
le bien que l'Éternel nous fait de nous diriger jour après jour jusqu'à l'éternité. Et l'une des caractéristiques essentielles de l'éternité, c'est que chaque jour est une nouvelle expérience. Vous ne pouvez pas imaginer la répétition et la répétition lorsque vous évoquez l'éternité. La beauté de l'éternité, c'est que vous avez une nouvelle expérience de joie, de paix, de bonheur, de félicité dans la présence de Dieu. Et cela se renouvelle sans cesse. Donc la première chose que j'aimerais vous dire, si vous racontez aux gens quelque chose, racontez parmi les nations sa gloire, racontez parmi tous les peuples ses merveilles. Ça, c'est le programme extraordinaire. Et j'aimerais dire, la vraie adoration, le vrai culte d'adoration, c'est le moyen très puissant d'évangélisation. Parce que, à travers un vrai culte d'adoration, nos yeux sont fixés sur Dieu. C'est lui qui est notre solution. J'aimerais vous inviter de trouver le psaume 23. Pour l'introduire, je vais me rappeler de ce qui m'est arrivé. Juste après avoir quitté la France, je suis arrivé à Vienne, en Autriche. C'était en 1999. Et lors du premier réunion pastorale, on m'a présenté, on m'a donné la possibilité de dire quelque chose en allemand. C'était une épreuve difficile pour moi, mais on réussit parce qu'on n'a pas d'autre solution. Et ensuite, je me suis assis à côté d'un autre pasteur assez âgé. Et alors, il me parle en anglais. Je ne savais pas pourquoi, parce que probablement, il a vu que mon allemand n'était pas si bon. Et alors, il me dit, est-ce que c'est pour la première fois que tu travailles dans un pays où on parle allemand? Je dis oui, c'est pour la première fois. Est-ce que tu connais quelle est la signification du mot pasteur? Je me demande pourquoi un pasteur demande à un autre pasteur, parce que c'est le métier que tout le monde connaît. Mais alors j'ai dit oui, bien sûr, pasteur, ça signifie berger. Ah ben c'est bien, tu connais tout cela. Bienvenue au club des bergers allemands. Voilà, c'était mon premier jour en Autriche. Et après je me suis dit, mais c'est tellement bien de savoir que nous devons servir un berger allemand. J'ai découvert que dans le psaume 23, il y a même la place pour ces chiens de garde. Quand vous lisez le psaume 23, verset 6, il est dit, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. » Et je m'arrête là, « m'accompagneront ». Dans l'original, c'est le mot « me suivront ». Mais ce n'est pas le mot régulier, « suivre ». C'est le mot qui explique comment un chien fait pour être toujours derrière le troupeau, pour garder le troupeau ensemble. C'est le même mot, la même explication. Oui, le bonheur et la grâce, ce n'est pas quelque chose que je vais courir après. C'est ce qui va me suivre. C'est ce qui va me tenir tout près de Dieu. Et j'ai dit, merci Seigneur, parce que je peux être un berger français, allemand, canadien. Merci pour ce privilège de servir. Mais j'aimerais vous dire quelque chose dans ce verset-là, le dernier, qui me bouleverse toujours. Le texte dit, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. »
En anglais, on traduit forever, c'est-à-dire pour toujours, pour toujours. Quand vous regardez l'original, vous allez vous rendre compte sans cesse, sans fin, quelque part. Ça ne s'arrête pas. C'est comme le psaume 27 qui dit, il y a une seule chose que je demande à l'Éternel. C'est que je puisse habiter dans la maison de l'Éternel. Qu'est-ce qu'on fait quand on habite dans la maison de l'Éternel? Qu'est-ce qu'on fait? On fait l'adoration. C'est la place pour l'adoration. Ce qui signifie que dans le concept de la Bible, l'adoration n'est valable que si elle est permanente. Vous ne pouvez pas dire « on adore le septième jour », les adventistes du septième jour. On est aussi les adventistes du dimanche et de lundi et de mardi et de tous les jours. Et on ne peut pas dire « ah, j'adore le sabbat et le reste, je fais ce que je veux ». Quand je fais une décision pendant la semaine, je fais toujours en pensant à Dieu. Est-ce que vous vous rappelez de l'apôtre Paul qui dit dans 1 Corinthiens 10, 31, « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez toute autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Ça, c'est l'adoration qui ne s'arrête jamais. Dans ce cas-là, le bonheur et la grâce nous accompagnent, nous suivent, nous tiennent tout près de Dieu. Et j'aimerais vous suggérer que la vraie vie spirituelle, c'est la vie spirituelle où tous les éléments, toutes nos relations sont centrés sur Dieu. Je me rappelle que lorsque mon fils avait à peu près 16 ans, il n'était pas content de quelque chose, d'une de mes décisions. Et je dois dire que c'est peut-être 3 ou 4 mois que j'attendais une opportunité pour lui dire quelque chose. Et je me suis excusé pour toutes mes erreurs que j'ai pu commettre comme père. Et il était un peu surpris, il a dit, mais pourquoi tu me dis ça? Moi, je te considère comme un beau papa. J'ai dit, il faut que je te dise, parce que mon rôle en tant que père n'est pas plus que ça, c'est de te permettre à t'attacher à ton vrai Père céleste. Et en tant qu'homme, je suis faible. Comment voulez-vous que je puisse éduquer un enfant alors que moi-même je suis pécheur? Un homme imparfait, comment est-ce qu'il peut donner l'éducation parfaite? C'est impossible. Et je lui ai expliqué tout cela. Je lui ai dit que dans toutes mes faiblesses, j'ai voulu juste dire une chose, que Dieu est bon. Et que Dieu est son Père à lui. Et je me suis rendu compte que le problème de la jeunesse d'aujourd'hui, même plus de la jeunesse quand j'étais jeune, c'est qu'on ne sait pas très bien à qui on appartient. En anglais, on dit « belonging ». Belonging. Quand on ne sait pas à qui on appartient, on fait plein de bêtises. On essaie d'attirer attention à nous. On n'a pas reçu assez de considération, pas assez de respect, pas assez d'amour, pas assez de gentillesse. Et puis ensuite, quand on n'a pas reçu, on fait une bêtise, une petite bêtise, puis par la suite, on n'a même pas remarqué, puis une deuxième, une troisième, et puis il y a un système qui s'installe parce qu'on n'a pas compris à qui on appartient. Et j'aimerais dire que dans la Bible, tout est concentré sur le fait que même si nous sommes en dehors du jardin d'Éden, Dieu a tout fait pour qu'on puisse communiquer de nouveau, qu'on puisse toujours comprendre qu'il nous aime. L'Épître aux Hébreux au chapitre 1. Dieu
qui a de plusieurs manières essayé de communiquer, maintenant communique avec nous à travers son Fils Jésus-Christ qu'il a envoyé. Jésus-Christ est venu pour nous dire que nous avons le droit d'habiter dans la maison de l'Éternel pour toujours. Quel que soit notre passé, Dieu veut nous voir. Dieu veut nous recevoir. Dieu veut être notre Père. Et la vraie adoration, c'est celle où nous reconnaissons que nous lui appartenons pleinement. C'est la raison pour laquelle le psaume explique bien le bonheur d'être auprès de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans... Voilà la conséquence de l'adoration. La conséquence de l'adoration, c'est le repos pour notre âme. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est de nouveau la paix. Il restaure mon âme. Quand on vient à l'église pour adorer, on vient pour une séance de restauration. Et quand on quitte la maison de Dieu, on peut dire, fantastique, je me sens plus léger. Comme hier, quand j'ai parlé de pharisiens et de publicains, Jésus disait, en vérité, je vous le dis, celui-ci est parti à la maison différent. Il est parti justifié. Il n'a plus rien, aucun souci, aucun péché, aucun problème qui ramène à la maison. J'ai pu visiter une église récemment, il y a une sœur qui m'avait dit, j'ai entendu que vous venez, et c'est la raison pour laquelle je suis venu. Alors je lui ai dit, ma sœur, ce n'est pas bon ça. Et elle m'a dit, vous savez, j'ai plus de bénédictions d'ouvrir 3ABN et de regarder les bons prédicateurs, Dwight Nelson, Mark Finley et les autres, et je suis en paix et en tranquillité. Je ne reçois aucune critique. Je lui ai dit, ma sœur, juste venez dans votre église et faites du bien. Le même bien que le Seigneur vous fait. Soyez une influence pour des choses positives. Transformez l'atmosphère de l'église. Parce que l'adoration, ça signifie qu'on est transformé, qu'on est différent. C'est la raison pour laquelle l'adoration est permanente. Mes amis, et je m'arrête avec cela, n'oubliez pas que l'éternité, ça signifie les choses sont nouvelles tous les jours. Est-ce que vous vous rappelez de ce que disait l'apôtre Paul, 2 Corinthiens 5? Celui qui est avec le Christ est une nouvelle création. Les anciennes choses sont passées, voici toutes, vous comprenez toutes? Toutes choses sont devenues nouvelles. J'aimerais bien, je prie sincèrement afin que vous puissiez partir de ce lieu comme une personne neuve, qu'il n'y a plus de fardeau et que ça ne soit pas seulement une histoire qu'on vous raconte. Que vous puissiez avoir la certitude, quand vous venez auprès du trône de la gloire et quand vous comptez sur les promesses de Dieu et vous dites, c'est même marqué dans l'Épître aux Hébreux, Dieu peut faire beaucoup de choses, il est tout puissant, mais il y a une chose qu'il ne peut pas faire. Il y a une chose qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Et Dieu avait dit qu'il nous pardonne. Dieu a dit, si tu demandes, avec foi, sans douter, je te donnerai ce que tu désires. Demandez un cœur nouveau et partez de ce lieu avec la certitude que Dieu vous a donné non pas seulement un cœur nouveau, mais aussi la puissance de faire du bien à travers son esprit. Que Dieu vous bénisse et que nous puissions tous ensemble chanter un cantique nouveau
et que notre adoration puisse être renouvelée sans cesse jusqu'au retour de Jésus afin de continuer à participer à cette adoration pendant l'éternité. Amen. Je veux célébrer l'Éternel. Son amour et sa puissance sont dans ma vie. Je veux le louer pour cela. Habitants de la terre, je vous invite à vous lever et nous chanterons ensemble ces paroles. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Dieu d'amour, tendre Père, Dieu qui prend soin de sa créature, nous nous sentons grands avec toi, Seigneur. Nous nous sentons forts avec toi parce que tu nous donnes ta force. La force de relever la tête et d'avancer pour proclamer ton Saint-Nom à ce monde, Seigneur. Tu es un Dieu créateur qui désire que partager avec nous afin que nous puissions à notre tour élever vers toi un chant nouveau afin que tu sois glorifié, Père. Nous nous sentons honorés. Honoré d'être tes enfants, des enfants qui ont cette possibilité de toujours venir devant toi et t'apporter une nouvelle, une rafraîchissante adoration. Permettre que nous puissions toujours compter que sur toi, avancer qu'avec toi. Et pour toutes les promesses que tu nous as faites, et pour tous ces matins qui sont toujours nouveaux, nous te disons merci, que ta paix soit dans notre cœur, que nous retournions chez nous, Seigneur, avec toi, et que pendant toute cette semaine, nous puissions te rechercher pour t'adorer et revenir samedi prochain et t'adorer ensemble. Que tu sois glorifié, Père. Amen.
Inclinons nos têtes pour recevoir la bénédiction. Que la paix et l'amour avec la foi soient donnés à tous de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen. Nous chanterons ensemble « Nous venons dans ta maison » pour l'entrée des officiants.